Salam le monde, ça qui est pas possible, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de mes défis pas possibles. Alors il y a quelques semaines, enfin depuis quelques semaines, voilà, je vous demande à chaque fois à la fin de mes vidéos de me proposer un défi sur FIFA Ultimate Team 17. J'en ai accepté un et c'est le défi de Tristan Villa, celui de Tristan quoi, qui était donc de jouer avec un 11 que de gardien, si je me rappelle bien. Ah oui, tu nous fais une team 11 gardiens et tu nous montres qui c'est le patron. C'est à peu près ça. Bon. J'ai fait une team 11 gardiens. Bon, pour le patron, on sait pas encore. On va postuler. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite mon équipe de 11 gardiens. Et rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que si tu t'es inscrit, toi, l'abonné, oui, toi, si tu t'es inscrit pour pouvoir m'affronter, je ferai le tirage au sort à la fin de la vidéo. Voilà, il y a tous les petits papiers là, tout ça. Je vais faire un petit tirage au sort. Bon, l'huissier de justice, hein, comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, bon, il est pas dispo. Il a trop de problèmes avec la justice, justement. Et je rappellerai à la fin de la vidéo comment tu peux t'inscrire pour pouvoir m'affronter et pour pouvoir participer au premier épisode de Seul contre tous. Aujourd'hui, c'est le premier épisode du des défis pas possibles. Donc je vous montre tout de suite ma team 11 gardien. J'ai eu la même réaction quand je l'ai faite. Là, voilà, bon, c'est une team 11 gardien, il n'y a pas à dire. Bon, j'ai mis Buckland dans les buts pour être sûr de... Voilà. J'ai joué en 5, donc en 5 défenseurs. Donc là, bon, il me fallait une petite touche d'arabe. Genre, il me fallait un Abdullah Al-Sandayal. Sans commentaire. Après, avec Manon, Diego Alves, Caballero en défense centrale, à côté, au côté gauche, Benjamin Lucas. Devant la défense, Carasso et De Sanctis, ouais, c'est Morgan De Sanctis. Sur le côté droit, Victor Valdez, sur le côté gauche, Vercoutre. Et en pointe, je sens que ça va être le buteur de la journée, les gars. Le buteur, Stéphane Rouff. Là, je sens, j'ai le pif pour ça, je le sens bien ce match. Donc les gars, on va pas perdre de temps, on va lancer tout de suite un match, donc un match simple, hein, en ligne, je vais pas prendre de risque à jouer en division ou je ne sais quoi, on va juste faire un match simple. Et voilà. Donc, on va voir son équipe. Il a pas une si grosse équipe que ça, mais bon, c'est une équipe normale par rapport à la mienne. Déjà Rashford, Chamberlain et Soon devant, ça va être vraiment pas mal. Bon les gars, je vous cache pas que là, on va être en ultra défensif, on va jouer que sur les contre-attaques. Je vous cache pas que là, si vous voulez voir du beau jeu, passe la vidéo. Oh là là, quelle défense de Caballero! Et si Caballero était meilleur en défenseur qu'en gardien? Et si? Oh, il attaque les Vercoutre. Wouah, quelle parade de Buckland! C'est bon, les gars, on va tenir très très longtemps. Et voilà, Monkey, normal, tu prends un jaune, t'attaques les Vercoutre, le meilleur ailier de mon équipe. Allez, 210. Oh, bien joué pour Vercoutre! Oh, les gars, tente. Mais j'ai juré Vercoutre, il a une vraie frappe, pied gauche, un pied droitier, les gars. Non, c'est dégueulasse. Non. Non, c'est une blague. Non, c'est une caméra cachée de Cyril Hanouna. Allez, on refait la... Ah non, ça a l'air d'être vrai. Hein. Les gars, on va changer de tactique. On va jouer comme des hommes, comme si j'avais une vraie équipe. Y'a pas de soucis. Voilà. Pas de soucis. Tu veux faire le mec à mettre des buts de merde? Ok, je vais te mettre des vrais buts, moi. Avec des gardiens sur le terrain. Il est en train de flipper le mec. Oh putain, c'était bien joué ça à la base. Oh, regardez, regardez l'action. Regardez. Ah, ce que je rate. Oh là là là. Attends, on se fait mener 1-0 à la mi-temps. Franchement les gars, je vous dis la vérité. Attendez, je vais faire des petits changements. Franchement, je vous dis la vérité. On est super bien. Non mais franchement, on est super bien. On joue bien, mais le but que je me prends, c'est un but dégueulasse. Franchement, c'est super dégueulasse de se prendre un but comme ça. Oh là là, mais le
comment ça joue. Pourquoi pas? Oh là 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 là. Mais les gars, hey, je le domine avec une équipe de gardiens, les gars. Je le domine. Attends. Et Valdez il s'est blessé sur la frappe tellement. Oh là là, c'est beau ça. C'est beau. Les gars, je vous dis, les gars, il faut rien lâcher. Oh là là. Oh là là, putain. C'est quoi cette frappe plus dégueulasse de Valdez? Valdez qui s'est blessé. Allez. 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 Et pourquoi? Oh non, il est mort. Oh, ça bug. Oh. Ah, j'aurais mis ce but là, mais je crois là c'est... Ah ouais, non, là il fallait arrêter tout de suite. Hein. Tac. Ah, bien joué. Bien joué. C'est qui celui-là? Comme un héros. Ah, c'est pas fini. C'est pour... Eh les gars, je suis en train de le dominer. Putain, c'est un truc de fou. Hein. On tient, non. 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 Dégage-moi ça, gros. Oh. Allez, refier. Comment ça se passe? Il y a des prolongations là du coup? La prolongation! Putain, mais regardez les gars! Tous mes joueurs ils sont. Oh, c'est chaud! Attendez, je vais en mettre. Ah ouais, non, mais là c'est chaud! Ah, le stérile! Attends, je vais le mettre devant. On va mettre Vercoot là. Et c'est qui est dans ma défense centrale? Alves. Alves, on le met devant et on va mettre. Non, Valdez il est bon techniquement, hein, mine de rien. Bah, vous savez quoi, Ruffy, on va le mettre derrière, voilà. Et on va mettre Valdez en pointe. Valdez, vu qu'il a un bon jeu au pied, il y a grave moyen. Allez, les gars, prolongation, on y croit, on y croit. Non, pas maintenant, les gars. Pas maintenant. Pas maintenant. Les gars, vous savez quoi? Tout est possible encore. Tout est possible. Changement tactique. Tout est possible, les gars. Si on a réussi à égaliser une fois, on peut encore le faire. Allez. Ah non, les gars, c'est chaud. Oh, bien joué, Batlon. Si c'était l'arrêt. Et si c'était le tournant du match, ça. Ah, c'est chaud, les gars. Franchement, c'est super chaud, mais il y a grave moyen. Franchement, il y a grave la place. Je vous dis la vérité, franchement, je le sens bien. Alors on se parle, ils sont tous morts, hein. C'est des morts vivants qui vont jouer avec des zombies, hein. C'est Walking Dead le truc. Valdez. Non. 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 Non, mais c'est pas vrai, mais c'est un sketch le truc, c'est un sketch. Ah, c'est la fin les gars, ah je suis super dégoûté. Franchement les gars, quand je vous dis, il y avait grave la place. Mais je vous dis, il y avait grave la place de remporter ce match. Bon les gars, je suis super dégoûté, mais à la fois je suis content parce que franchement c'était un super défi. D'ailleurs Tristan, je te remercie d'avoir donné ce défi parce que franchement j'ai grave kiffé et voilà, j'ai joué super à fond et tout. Et bon, je suis dégoûté, mais pas grave. Prochain défi, je le réussis à coup sûr. Donc les gars, j'espère que ce défi vous a plu. Donc si vous voulez encore que je fasse une autre vidéo pour un autre défi, donc un autre défi pas possible, donc tu commentes sur la vidéo et tu me proposes n'importe quel défi. Voilà, je vais essayer de l'accomplir et de le réussir cette fois-ci. Et puis voilà. Propose ma game. Donc,
Aussi, avant de conclure cette vidéo, je vais faire le tirage au sort. Donc, pour ma prochaine vidéo, enfin l'une de mes prochaines vidéos, je sais pas quand je la ferai, hein, ça dépendra de quand l'abonné sera disponible. Donc, pour l'une de mes prochaines vidéos, seul contre tous, où j'affronterai donc un de mes abonnés, donc un de vous, pour participer, c'est très très simple. T'as juste à me suivre sur Twitter, tu me mentionnes avec le hashtag TeamPasPossible. Voilà. Tu me mentionnes, hashtag team pas possible, et tu mets ton gamer tag bien sûr pour que je le prenne note. Je l'écris sur un papier et je le mets comme ça. Et je fais un vrai tirage au sort avec Rari et ta la Ligue des Champions. Donc je vais faire tirage au sort maintenant. Hein. Celui-là. Suspense. Et l'abonné qui m'affrontera sera donc The FIFA Man. Je sais pas si on peut le lire là. The FIFA Man. The FIFA Man. Donc The FIFA Man, bah, je t'affronte. Je vais t'ajouter dans ma liste d'amis, donc sur la Xbox. Et je t'annonce que voilà, tu es le grand gagnant pour m'affronter. Parce que tu ne seras pas le grand gagnant dans le match, bien entendu. Bref, donc comme j'ai dit, si tu veux t'inscrire, tu me suis sur Twitter. Tu me mentionnes avec le hashtag TeamPasPossible, avec ton gamer tag bien sûr. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, un maximum de pouces bleus. Voilà, mais pause bla. Non, je regarde trop de vidéos d'Ibra TV en ce moment. Ce mec-là est fou, hein. Ce mec-là est fou, ouais. Bref, je raconte ma vie, là. Bref, c'était un TeamPasPossible. Je vous aime. Je vous fais la bise. Bref, on ouvre ce deuxième pack et le premier pack méga rare. Donc là, normalement, c'est là. Oula, ça a ramé. Ça a ramé. Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que c'est bon signe? La première animation! La première animation!